Rebonjour mes amis, et comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. En fait, ça c'est le cours selon lequel nous devrons faire demain. Celui-ci, tout ce que vous voyez ici là, on l'a déjà travaillé. On l'a bel et bien travaillé, tout le monde est au courant. Il pouvait directement regarder le lien dans la description s'il n'a pas pu regarder ce tuto. Entre-temps, demain, si Dieu le veut bien, on va ajouter cette fonctionnalité. C'est-à-dire, à propos de nous, on va mettre directement mission, vision et équipe. Alors, pour cela, on va directement mettre le service et toutes les fonctionnalités ici. Et tout ce que vous voyez ici-là, ça sera directement le dimanche. Ça, c'est le tuto de dimanche. Le tuto de demain, c'est celui-là. Je vais essayer à bien expliquer. Parce que dans le côté informatique, il faut savoir que le design pèse beaucoup. Nul ne peut pas acheter quelque chose s'il ne voit pas que la chose est très intéressante. Du coup, chacun d'entre vous doit directement être en mesure de faire cela. Alors, pour cela, comme on ne l'a pas oublié, tous les codes se sont déjà ici. Hein. Alors, mais juste demain qu'on va commencer à bidouiller tout ça, à expliquer pourquoi. Mais pourquoi on doit y en avoir des informations ici? Regardez, ça, c'est le menu. Tout ça, c'est le menu, ça. Mais le menu, au moment que vous présentez votre entreprise, vous devrez présenter vos services, vous devez vous présenter directement la manière dont vous-même vous travaillez. C'est pour cela que le menu a énormément beaucoup d'informations. Et ces informations-là, vous ne pouvez pas directement écrire un menu avec beaucoup d'informations, le continuer jusqu'à un moment donné. Vous devrez directement fixer celui-là, c'est le service et tout ce qui va avec les services. À propos et tout ce qui va avec à propos. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé directement par la mission, vision, équipe. Vous connaissez très bien cette abréviation, c'est le Fanahan Multiservice. Une entreprise selon laquelle il est complètement virtuel, mais il n'est pas encore n'est pas encore eu la grandeur en tant que telle, mais je suis là en train de vous enseigner et espérer qu'un jour je peux y en avoir l'équipe nécessaire qui pouvons directement conquérir le monde, l'Afrique et le monde tout entier. Entre-temps, mes chers étudiants, on va aborder ce sujet-là avec délicatesse pour que vous serez en mesure de faire ceci. Alors, demain, si Dieu le veut bien, il ne faut pas en rater cela. Celui-ci, on va le faire. On va ajouter, dès que vous avez cliqué le flèche qui est là, il va afficher d'autres informations pour que vous puissiez directement comprendre l'objectif et la manière dont vous devrez, parmi les différents sites que vous pouvez développer, celui-là, c'est un design très performant. Et on fera d'autres designs et on montrera d'autres choses à nouveau parce que c'est notre objectif et une priorité selon laquelle nous devrons arriver à cela. Alors, mes chers compatriotes, c'est ainsi que je vais vous dire que à demain, si Dieu le veut bien, nous travaillerons ces travaux et soyez nombreux à regarder ce tuto. Je vous en prie, cliquez j'aime. Si vous n'avez pas aimé la page Facebook, aimez cette page. Et à très bientôt. À très bientôt. À demain.